Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Combat d'Anime. Pourquoi? Parce que j'ai atteint les 2 millions. C'est juste en dessous de ma caméra. Hop là, les 2 millions atteints sur Combat d'Anime. 2 millions atteints juste hier soir. Pixel. Du coup, on va faire un tour sur mon compte et je vais vous montrer un peu mon compte, où il en est, etc. J'avance tranquillement. J'avoue que je prends mon temps. Je suis plus pressé. Ou quoi que ce soit, je joue assez lentement. Mais je joue toujours au jeu depuis le temps. Du coup, hop, attendez, on va prendre le coffre à Epica. Du coup, où on en est dans ma team principale déjà. Dans ma team principale, du coup, ma team, c'est ça. Ajuster l'équipe, du coup. C'est Megumi. Hein, on voit pas très bien comme ça. C'est Kurama. Kurama, du coup, platine. Kurama platine. Avec du stuff, un peu de stuff rouge et tout. Avec son équipement SP, bien sûr. Et je lui ai mis le Rokakaka. J'ai dit caca. Parce que c'était dans les. Je crois que c'était dans les recommandés. Ouais, c'est ça. C'était dans les recommandés, du coup, j'avoue que j'ai suivi. Megumi, du coup, j'ai son item SP aussi. J'ai tous les items SP et je joue le Kansashi de Daki qui était dans les recommandés de mémoire aussi. C'est ça. J'avoue que j'ai regardé les recommandés. Pour les. J'avoue que je pourrais montrer. Les compétences SP que j'ai. Je joue Reine de la Cavalerie et Clé Noire. Je joue ce que j'ai quoi, j'ai pas grand chose et en saut bah je joue ce que j'ai aussi. Hop, pour continuer du coup Megumi en compétence SP, je joue ami fidèle et force d'amélioration et le codex bah ce que j'ai. Dans tous les cas les codex c'est ce que j'ai pas mieux. Le Raikage qui est du coup rouge plus, qui partira peut-être bientôt à la place de mon Shiryu qui est mieux. Comme en soi j'ai que un tank et du coup le Raikage je joue devant avec ça pour qu'il reviennent à la vie. Ça, c'est un truc qui permet de lui revenir à la vie. C'est fort. C'est fort, bah, c'est fort sur sur la personne qui est devant, quoi. Déclenche un état invincible, augmente les chances de coups critiques. C'est pas mal en vrai, ça. Après la mort, inflige des dégâts. Et je sais plus c'est où qui dit qu'il se réinitialise. Il revient à la vie. Mais il revient à la vie avec son truc SP. Du coup, voilà. Compétence SP, je lui ai mis Descoré et l'âme d'esprit du vent. Et du coup, en codex, je joue ce que j'ai. En rouge simple, Aizen, avec du coup l'anneau Ossa impressionné et son item SP bien sûr. Compétence SP, je joue recharge d'énergie, Saiyan rang 1. Et en codex, bah, ce que j'ai, encore une fois. Et du coup en healer, c'est mon UR, mon premier UR et pas mon dernier. Hop là, d'ailleurs je peux faire ça, j'ai regagné un peu de puissance. Comme j'ouvre bientôt sur Gigamesh qui sort très bientôt normalement. Semaine pro ou fin de semaine là, normalement Gigamesh, bah, je joue sur lui. Vous verrez de toute façon une vidéo si je joue sur lui. Je joue ça, la Ouari de foudre parce que pour le heal. Pour le heal c'est bien. Et ça j'ai pas son item SP du coup que ça. Ça c'est assez nul. Les items SP on peut pas les avoir dans les DUR, on peut pas les avoir dans le truc à moins que ça ait été mis à jour. Et oh j'ai oublié de lui mettre des. J'ai pas mis de compétences SP. C'est quoi cette merderie? La merde, Megumi. C'est surtout mes persos. Il en avait pas mon. Merde, il en avait pas mon chopper. Mon chopper en avait peut-être pas. Et ben, il faudrait que je le remette. Et Gintoki, du coup, avec son item SP, le bandana, les items et tout. En compétence SP, j'ai la puissance de Kyuubi et le Goten Shinshu. Shinshun étoilé. En codex, je joue ce que j'ai. Dans tous les cas, comme je dis, encore, je joue ce que j'ai. Et voilà. Voilà. Percé. Ah, mais je peux le monter plus. Mais attends, mais pourquoi je monte pas mes persos, moi? Qu'est-ce que je branle? Pourquoi j'ai pas monté 180? Ah, mais je crois que je l'ai monté il y a pas longtemps, c'est pour ça. Du coup, c'est quoi l'avenir que j'ai à faire? Bah, Josuke, ça va monter petit à petit. Josuke va monter petit à petit. Il faut que je le redrop, je l'ai qu'une fois. Mon Raikage, je pense qu'il va partir en team 2 et je vais mettre le tank Shiryu. 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 Du coup, je pense que je vais jouer lui. En healer, j'ai Josuke. Gintoki en tank. J'ai deux bons dégâts et un troisième dégât. Mais après, j'ai trois dégâts de. C'est peut-être Aizen qui va partir. Comme c'est un dégât de distance aussi.
Et là, j'ai déjà 3 distances avec Josuke. Et il faudra un cac, quoi. Du coup, je vais peut-être garder le Raikage au final. Comme, en tout cas, Aizen n'est pas monté. Et Aizen, j'en ai pas d'autres. Non. Je vais peut-être garder le Raikage et enlever Aizen plutôt. Ah, voilà. Du coup, pour continuer, je suis level 272 ici. Avancement, je suis 46. Et je suis niveau 17. Album, on s'en fiche de loin de la source. Bah là, je suis comme ça, tranquillement. Ça monte tranquillement, quoi. Et là, je suis niveau 24 de résonance. Lien de héros, apparence, on s'en fiche, on s'en fiche. Pour mon soutien, bah ma Mavis, j'ai que Mavis comme le reste et il faut payer quoi. Mavis, elle va passer niveau 155. Du coup voilà, niveau 155 Mavis, tranquille. Elle est pas mal. Niveau invocation, j'ai 3S, je joue les 3S. Je joue les 3S, du coup Magicienne des Ténèbres, Koro-sensei et Kirara. Hop, faut que j'augmente un peu. Restaure la vie, on va monter lui en priorité. Du coup voilà, les 3 S. Invocation, compétence SP, du coup bah je mets ce que j'ai. Hein. Sinon il faut que j'enlève un personnage pour donner de nouvelles compétences. A voir. Je fous des SSR. Pour des SSR plus pour avoir les autres. A voir, je pense que il y a moins que je le fasse quand même. Lorsque ces PV sont inférieurs à 30%, chaque seconde équivalent. Il peut y avoir des trucs intéressants à mettre sur Josuke. Peut-être un truc par rapport à Chopper ou un truc comme ça. Pour mon clan, bah, le clan il est assez mort. En vrai, le clan est mort du coup, je vais pas vous montrer. Pour les défis, je peux vous montrer un peu où j'en suis. 43, 40, 35, 40, 35. 39, 43 dans les donjons. Entraînement dans le ciel, je suis 347. Je suis bloqué à celui-là. Pour l'épreuve du camp technique, du coup, le bleu. C'est le bleu. Oui, c'est le bleu. Je suis au niveau 112. Est-ce qu'on voit? Hop. Potentiel 81 et 111 du coup technique. Force, je suis 11. 90 factions de tout. Et roi du démon, je suis 59. Roi du démon qui est juste ici. Hein. L'épreuve du roi du démon, si vous l'avez jamais vu, du coup je suis ici. 59, bah... Ouais, c'est ça, j'ai battu le 59. Je suis au 60. Exactement. Alors, pour continuer, du coup, défi de l'autre monde, je suis niveau 33, mais j'ai pas fini les étoiles. Je suis bloqué ici. Voie dimensionnelle, bah, je fais le dernier. Hein. Tout le temps. Boss mondial, je peux vous montrer un peu où je suis classé. Je suis deuxième au classement. Dinguerie, voilà. Deuxième au classement, pas besoin d'en savoir plus. Je vais pas vous montrer mes dégâts. Épreuve dimensionnelle, je suis bloqué au chapitre 30. Tour des ruines, ça c'est assez long, mais 92. Hein. Défi de contrat, du coup, je suis au chapitre 10. Abîme sans fin, ça joue. C'est. Étage atteint 25, étage maximum. Je suis pas fan de ce mode. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? L'arène, bon, l'arène ça se tape tranquille. La montée en puissance. Non, merde. Ça, fissure spatio-temporelle. Ça, j'avoue que j'ai fait les 8 premiers. Il faudrait que je fasse les autres. Je peux avoir un Pikachu ici. Pikachu c'est S ou pas? Je sais plus si Pikachu est S. Mais je peux avoir des persos, du coup il faudrait que je continue ça un peu. Comme bah, pour avancer quoi, tout simplement. Comme là j'avoue que j'avance plus. Dans le truc de test, là je suis chapitre 117. Et dans l'histoire, je suis au chapitre combien? Chapitre 16, Voix des Mers. Je suis chapitre 16, je viens de commencer. Du coup je continuerai ça ce soir. Mais voilà, hein, j'ai fait un gros tour de mon compte. Je pense que je vous ai tout montré. Qu'est-ce que je... Ah bah au classement, je peux vous montrer. En puissance, je suis 8ème sur mon serveur. Bah... C'est mon serveur, hein. Ouais, c'est mon serveur. Ensuite, niveau... En niveau, je suis que 12ème. Parce que je suis niveau 102. Chapitre final, je suis 12ème. Après, bon, il y a tout. Je vais pas tout vous montrer, mais voilà. À peu près mon classement.
Je pense que je vous ai tout montré. Mes prochains objectifs, du coup, c'est Gilgamesh quand il va sortir ici. J'ai 50 jetons. J'en aurai un peu plus, du coup, d'ici que Gilgamesh sorte. J'ai Josuke que je dois monter. Et du coup, en soi, si Gilgamesh sort, Aizen part. Ah bah oui, en vrai, en soi, si Gilgamesh sort et je prends dans ma team, c'est qui que j'enlève? Ah bah oui, ça va être Aizen du coup. Et Gilgamesh, c'est un distance. J'aurais trop de distance dans ma team. En soi, c'est les persos que je peux monter facilement. Du coup, bon, tu veux que je fasse quoi? Je vais pas les monter si... Je vais pas ne pas les monter, quoi. Kintoki, ça va, je vais le monter bientôt aussi. Il faut juste de food là. Il faut juste du food et un food jaune. Comme le food vert, bah, j'ai plein de SSR+. Et Kurama, j'en ai encore plein de Kurama en fait. Kurama, j'en ai plein les mêmes. J'ai un Megumi encore. Je veux les monter facilement en fait, ces deux persos. Du coup, bon. À voir qui j'enlèverai. Bah, je pense que j'enlèverai Aizen du coup pour Gilgamesh. Et peut-être le Raikage pour. Shiryu pour avoir un tank devant. Sinon je garde le Raikage en tant que tank devant. Comme en soi le Raikage je joue tank. Je joue tank et je joue devant quoi. C'est ça ma team, ma formation. Ah, je peux pas vous montrer. Bah attends, mode histoire. Si je défile. Ça je joue comme ça quoi. Raikage devant avec Intoki. Les deux forts derrière, Josuke mid et Aizen mid. Mais là j'ai 4 distances en soi. Là j'ai 4 distances derrière. C'est énorme. C'est énorme, 4 distances. C'est beaucoup trop. Après, ils sont forts. Hein. Mais c'est peut-être un peu trop. C'est peut-être un peu trop. J'ai dit que je continuerai plus tard. J'ai pas envie de continuer maintenant. Mais du coup, voilà. Je vous ai fait un petit tour sur mon compte pour mes 2 minions. Je vous ai montré. J'ai même gagné un peu de puissance entre temps. Là, en faisant mes quelques trucs. Hop, j'ai regagné un peu de puissance. Mais du coup voilà les 2 minions atteints sur le jeu. Le jeu j'y joue doucement mais sûrement. Je joue quand même toujours. Hein. Je loupe des resets des fois. Ça m'arrive que j'en loupe surtout le week-end avec mes matchs de round. Mais ça m'arrive d'en louper. Mais c'est pour ça que je suis moins avancé que certaines personnes je pense. Je tryhard pas comme One Piece le jeu mais j'y joue toujours. 2 minions on a atteint. J'attends Gilgamesh avec impatience qui sort bientôt. J'ai hâte de l'avoir. Du coup voilà les gens c'était une petite vidéo pour faire un tour sur mon compte. Sur Combat d'Anime, j'espère que vous avez aimé et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.